Mesdames et messieurs, amis de M, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de votre magazine culturel C'est Montréal. Montréal qui a vécu pendant quelques jours au rythme du cinéma marocain grâce à la deuxième édition du Festival du film marocain à Montréal. Et ce soir justement à C'est Montréal, nous avons le plaisir d'encontrer l'initiateur et l'organisateur et le fondateur de ce festival, Monsieur Adil Hosni. Adil Hosni, bienvenue au studio de M Télé. Merci beaucoup. Et merci aussi pour cette invitation. Ça nous fait plaisir. Et puis, MTL est aussi impliqué, est aussi partenaire à ce festival avec beaucoup de fierté. Et donc, là, je voudrais savoir d'abord une petite présentation du festival. Oui. C'est quoi le FFMM? FFMM, c'est Festival Film Marocain à Montréal. Donc, on vient de terminer la deuxième édition. Et c'est une grande émotion, c'est toujours une joie de renouveler le contact avec la communauté marocaine et les festivaliers en général. Et je pense que d'une façon générale, on a enregistré un succès qui peut nous encourager à, disons, aller de l'avant avec un nouveau élan très optimiste. Mmh. Et qu'on sera au rendez-vous pour la troisième édition. Tout à fait. D'ailleurs, à l'ouverture, à Dar el Maghreb, il y avait vraiment une influence de la communauté marocaine, et pas seulement marocaine, mais tous ceux qui sont désireux de découvrir le cinéma d'ailleurs. Mmh. Et donc, c'était vraiment un record en termes de présence. Et tout à l'heure, on va voir les séquences de cette ouverture. En général, cette édition-là a ramené du nouveau. Hein, donc, on a vu une programmation très riche. C'est sûr qu'on ne peut pas, disons, être à la place du public quand on fait une programmation. Mais on essaye de mettre le projecteur sur des films qui méritent une plus grande audience. Mmh. Et notamment aussi sur des films qui ont eu un parcours festivalier très restreint, et aussi des films qui ont eu un excellent parcours festivalier, notamment le film de Les Chevaux de Dieu de Nabil Ayouch ou bien d'autres films. Donc c'était soit de donner une autre occasion disons au public de Montréal de faire connaissance avec nous on considère ça c'est des chefs-d'œuvre, mm-hmm, et qu'ils méritent une audience très large. Tout à fait. Alors justement, donc on va partager avec vous des séquences de l'ouverture de cette deuxième édition du festival du film marocain à Montréal, ouverture qui a eu lieu à Dar el Maghreb. Du film marocain de Montréal, permettez-moi de vous remercier pour votre présence et vous souhaiter la plus chaleureuse des bienvenues. Marhaba bikoum f'darkoum. En effet, nous remercions Dar el Maghreb, notre précieux partenaire, qui nous reçoit si agréablement ce soir. Alors ensemble, remercions toute l'équipe de Dar el Maghreb. Nous avons choisi une programmation faisant place à tous les genres, romance, comédie, thriller, fiction ou drame. Une programmation riche et variée, documentaire, court et long métrage, qui permet de découvrir une industrie en pleine expansion, le cinéma marocain. Nous sommes sûrs que vous allez apprécier ce festival à sa juste valeur, ce qui nous donnera le courage d'entamer dès demain la préparation de la troisième édition.
une superbe ambiance dans un cadre marocain, c'est vraiment... Oui. Et justement, la Dar El Maghrib joue ce rôle-là de fenêtre. Exactement, je remercie le personnel, madame la directrice de Dar El Maghrib et tout le personnel qui ont vraiment contribué à la réussite de cette belle ouverture. Et il y avait de l'émotion, j'étais très ému à l'ouverture, les Marocains et les... disons, d'autres nationalités, ils étaient présentes, ils ont répondu à l'appel et c'était vraiment une... Oui. Surtout avec un film d'ouverture comme Les Hommes Libres, là, qui nous rappelle un peu l'histoire de tolérance au Maroc, entre cohabitation entre Marocains et communautés juives, et cette relation-là qui s'est prolongée à la Grande Mosquée à Paris, donc il y a une très belle histoire. C'est sûr que la thématique du film était aussi pour quelque chose, de puisque bon, l'émotion était par rapport aussi à ce que les Maghrébins et les Marocains à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, qu'est-ce qu'ils avaient fait pour protéger les Juifs. Et c'est une histoire qui était occultée, qu'on ne met pas en valeur malheureusement, alors que cette histoire-là, ne serait-ce que dans ces détails, transmet un message de tolérance de la communauté musulmane envers les Juifs en général. Donc, et puis par rapport aux difficultés que vous aurez pu rencontrer pour l'organisation de ce festival, parce que c'est pas sans embûches, hein, un festival, c'est pas évident à monter. Alors comment vous avez pu surmonter toutes ces difficultés-là? C'est sûr, il y a toujours des difficultés, même dans les plus grands festivals qui ont une durée de vie peut-être plus que 30 ans. Mm-hmm. Mais nous, on n'essaie pas de partir avec une ambition, disons, démesurée. Donc vous êtes réaliste, en fait. Exactement. Ouais. Donc il y a un objectif à laquelle il ne faut pas s'écarter. Oui, oui. Et puis, la programmation, c'est-à-dire de faire les programmations, et toujours la crainte, est-ce que le public va être réceptif mm-hmm. à la programmation mm-hmm. Mais je pense que la programmation était très intéressante pour beaucoup de personnes ici à Montréal. Et ça nous rassure pour préparer une troisième édition avec un certain confort. Tout à fait. Et puis bon, par exemple, pour le rappel, hein, cette programmation était riche. Et non seulement riche, mais c'était des films récents. Hein. Donc je parle là des Chevaux de Dieu, Paris à tout prix, La route vers Kaboul, Myland, Les Hommes Libres, Mort à vendre, de Fawzi Ben Saïdi, sont tous des films qui ont aussi de Mariam Touzé, exactement un court métrage, exactement. Donc sont tous des films qui étaient vraiment qui ont accroché, qui ont attiré le public, justement parce qu'ils sont récents et ils ont eu beaucoup d'échos très très positifs dans les festivals Exactement. Ah, très bien, donc avant de continuer, donc je vous propose à Adil et je vous propose à nos web spectateurs la première partie des réactions du public qui était présent à l'ouverture. Donc je leur ai demandé qu'est-ce que vous pensez de ce festival du film marocain à Montréal. On les écoute. Je félicite par ailleurs les organisateurs, notamment pour cette ouverture, parce qu'avec un film d'ouverture comme celui-là, qui rappelle la convivialité qui a existé entre juifs et musulmans au Maroc, qui est d'ailleurs un exemple pour le monde, cette bonne entente, cette vie en bonne intelligence que nous avons connue au Maroc, je trouve que ça a été une façon absolument inédite d'ouvrir le festival. L'idée du festival est excellente, ça va nous faire connaître des réalisateurs marocains, et je vous encourage dans cette même veine, parce que la bonne entente et la bonne intelligence, c'est nous qui allons, nous, juifs marocains et musulmans marocains, qui allons donner l'exemple et montrer l'exemple, puisque nous avons vécu comme ça pendant des millénaires. Attention, absolument. Nous sommes là-bas depuis deux millénaires. Les gens ne le savent pas suffisamment. Ouais. Et donc, ça va être un excellent exemple à suivre. Je remercie la communauté musulmane marocaine d'avoir lancé un festival comme celui-là. Je lui souhaite succès. Et je suis sûr que déjà, ça s'annonce très bien. Ben, j'ai vu que le film avait une connotation, oui, en effet, celle justement du rapprochement des peuples et des luttes des peuples contre l'oppression universellement. Et puis justement, la lutte anticolonialiste
Je pense que le film s'inscrit aussi dans un esprit de lutte anticolonialiste, que ce soit la France vis-à-vis du colon nazi, que ce soit justement les pays de l'Afrique du Nord contre le colon impérialiste de façon générale. Ben, je suis très contente parce que moi j'ai participé à la première édition du Festival du film marocain, ça se passait à l'Impérial, et chaque année, enfin l'année suivante, je me disais tiens, j'attendais toujours, c'était au mois de mai, et bon, je pense qu'il y a eu une année d'accalmie, et donc quand j'ai vu la dernière fois tout à fait par hasard au cinéma du Parc, une nouvelle édition, ben, j'étais toute contente. Alors c'était clair que ce soir je devais être là, au moins pour l'ouverture. J'étais pas sûre de rester pour le film, mais le film a pas à peine les quelques images du début. J'ai été prise, bien sûr j'ai été prise par le film lui-même qui était extraordinairement bien fait, bien réalisé, les acteurs, mais aussi bien sûr par le thème. Et comme vous l'aviez dit tout à l'heure, le thème de cette complicité entre les juifs et les musulmans, on la voit très bien dans ce film. C'est des films très très intéressants. On a essayé de rejoindre le comique au dramatique et voilà, avec une langue qui nous ramasse tous, en fait c'est la langue française. Puis voilà, donc je trouve... Qu'est-ce que s'il y avait un seul film que vous devrez voir, ce serait lequel? Ben, je vous dis, hein, depuis tout à l'heure. Et oui. Donc il y a l'embarras du choix en fait. Voilà, donc je me dis, ah bah Paris à tout prix, moi j'adore. Les cheveux de Dieu, j'adore Nabil Ayou. Oui. Et les hommes libres. Finalement, j'ai compris. C'est tous les messages. Voilà. C'est tous les films en fait. Oui, parce que c'est vraiment, on a l'embarras du choix et la meilleure façon c'est d'y aller. C'est, voilà. D'y aller voir. Avec un accès quand même qui est abordable. Oui. Merhaba bikoum, au Festival du film marocain. Je suis très heureuse d'être ici. Merci de m'avoir invitée. C'est pour nous un grand honneur de faire le festival. J'ai été au festival d'autres films, mais jamais marocains. Donc pour nous, c'est notre tour. C'est une bonne chose, hein, n'est-ce pas? Ça fait du bien. Je suis très fière. Le film était excellent. Et pour ce qui est du festival, ben justement, c'est l'occasion de découvrir la production marocaine et maghrébine en général. C'est l'occasion aussi d'ouverture sur le monde, sur les cultures, spécialement ici à Montréal. Qu'est-ce qui vous a le plus touché ce soir? Ben justement, c'est cette diversité, que ce soit à travers le film, à travers les invités ici présents, c'est ça. Donc, une belle mosaïque. Ah, tout à fait. Et bien entendu, la dégustation, là, excellent. Là, on remercie Madame Amal de Fantasia Traiteur qui, comme à son habitude, nous gâte. Tout à fait, non, c'était excellent. Mais, okay. Mais je souhaite à tout le monde un bon festival. En tant que traiteur Fantasia, ça me fait vraiment plaisir de s'associer à ce grand événement. C'est toujours un plaisir de voir la communauté, de présenter notre art culinaire. Alors, c'est extraordinaire. Alors, merci beaucoup. Merci. On est très contents parce qu'à la fin de chaque événement, le sourire que j'ai avec les gens, l'appréciation et tout, c'est ce qui nous donne encore plus d'énergie. Alors, merhaba bikoum, on est toujours là pour vous, pour vos événements, pour toutes vos festivités. Comment vous trouvez cette synergie-là entre une initiative pareille et ce que vous faites là comme travail? Non, parce que c'est avec fierté, c'est avec amour qu'on fait ça premièrement. Plus, oui. Oui, parce qu'on aime la communauté marocaine et presque on est intégré dans un pays d'accueil. Alors on veut très bien pour nos enfants d'aller à l'école parce qu'on a remarqué que c'est 46% du décrochage d'école. Alors si on n'est pas capable de épanouir, ramasser de l'argent, comment on va faire financer les études? Comment on va montrer la fondation vraiment à les maghrébins en général et aux marocains les particuliers? Voilà, donc cette première partie des réactions du public était ravie donc, ce soir-là, donc à l'ouverture de la deuxième édition du Festival du film marocain à Montréal. Je retourne vers vous, Adil Hosni. Tout à l'heure, vous avez parlé de difficultés. Alors, vous avez pu surmonter ces difficultés grâce à plusieurs partenariats, grâce à des soutiens des fois non formels, mais les gens étaient là pour vous aider parce que tout le monde s'est senti comme impliqué. Oui, tout à fait. Alors, parlez-nous justement de ce soutien-là. Oui, c'est sûr. D'abord, en premier lieu, je remercie le ministère chargé des Marocains résidant à l'étranger qui a vraiment répondu à l'appel, qui était très réceptif au niveau de la demande. Excellent, excellent. Et aussi la Caisse Populaire des Jardins, le Dar al-Maghrib, aussi les partenaires médias, bon, pour un Maroc meilleur, les Fonds Universitas, et les partenaires médias, parce que le festival, le succès enregistré, c'est aussi
l'effort inconsidérable que les partenaires médias se sont impliqués. On peut les citer comme bien sûr le groupe Atlas Média, le Marocain.ca, bien sûr le Raison de Plus et MTL. Nous on considère ça comme un devoir et un devoir envers nos pays. Ce qui est rassurant, c'est que les partenaires médias ils se sont vraiment appropriés le projet. Maintenant on peut dire que le festival, c'est la communauté marocaine, c'est les partenaires médias qui ont vraiment contribué au succès de ce festival. Donc ça vous donne des ailes hein, pour la troisième édition. Là, c'est sûr. Ce soutien de la communauté. C'est rassurant, de préparer une. Et puis ce qui est enregistrable également, c'est cette soif-là pour le cinéma marocain, pour la culture marocaine aussi ici. Oui. Et justement. Oui, par exemple, le film comme La route vers Kaboul, c'était un dimanche. Justement, c'était un record. Et même le climat n'était pas vraiment favorable, un dimanche à 7h, c'était un guichet fermé. Oui, c'est à signaler également. Exactement. Hein, donc, je remercie infiniment tous les réalisateurs marocains qui ont vraiment été d'une grande attention à ce projet. Oui, vraiment, oui. Ils ont préparé les films à temps. D'une manière très professionnelle. D'ailleurs, on peut leur lancer l'appel d'ici pour que la troisième édition, qu'ils nous honorent par leur présence. C'est un petit festival, mais avec beaucoup, beaucoup d'ambition. Et justement, l'objectif, vous avez un objectif précis. Hein. C'est pas juste, vous voulez pas juste que ça soit juste un festival de projection, mais vous voulez autre chose, hein, quelque chose de plus grand. C'est sûr que c'est un souhait avec le travail peut se réaliser. C'est la stratégie aussi, c'est qu'il y a, je dirais entre guillemets, c'est comme un petit marché après le festival, c'est-à-dire que les distributeurs ici à Montréal et en Amérique du Nord En Amérique du Nord, ils saisissent l'opportunité de développement du cinéma marocain. Exact. Et qu'il l'adopte et qu'il soit conscient que le film marocain peut remplir des salles et qu'il peut vraiment rapporter de l'argent aussi, autant le dire comme ça. Exactement, donc, tout à fait. C'est un marché à développer. C'est un appel donc aux professionnels du cinéma marocain de soutenir le festival et de faire confiance au festival, parce que ça peut être vraiment, comme on le souhaite, une vitrine du cinéma marocain Juste pour ajouter quelque chose, c'est que le cinéma marocain, avec une stratégie des centres cinématographiques marocains et toutes les institutions marocaines, ils ont réussi dans la mesure où il y a une production de qualité. Mais il faut le dire aussi qu'au niveau de la distribution, les films marocains, ils sont toujours comme otages juste du circuit du festival. Tout à fait, oui. Et de là, on espère en contribuer dans la limite de ce qu'on peut faire, ici au moins à Montréal et en Amérique du Nord, de vraiment mettre le maximum possible le projecteur sur ces films marocains qui méritent encore une large audience que les festivaliers du festival. Absolument. Et puis là, on arrive à la deuxième partie des témoignages du public présent à l'ouverture de cette deuxième édition du Festival du film marocain à Montréal. Et cette fois-ci, hein, je dois le souligner, on va consacrer cette deuxième partie à une catégorie du public. Ce sont des artistes marocains installés ici à Montréal. Oui, oui. Donc soit pour les études, soit pour une carrière professionnelle, soit pour plein d'autres raisons, mais ils se retrouvent de plus en plus ici à Montréal, et il est temps justement pour créer des occasions comme ça pour que ces gens-là, ces artistes-là se rencontrent, s'échangent et essayer peut-être de partir des projets ensemble et de voir quelles sont les possibilités pour redémarrer leur carrière ici à Montréal. Alors je vous laisse découvrir des artistes que vous connaîtrez certainement, qui étaient donc présents et qui nous ont fait le plaisir par leur présence à cette deuxième édition du Festival du film marocain à Montréal. Moi,
moi, j'encourage vivement ce genre d'activité, y compris le festival aujourd'hui du film marocain à Montréal. Puis je trouve que c'est très positif parce que ça rapproche quand même les Marocains de leur culture, puis leur identification. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué dernièrement, le problème d'identité chez les Marocains a été un peu perdu. Puis aujourd'hui, je trouve que de jour en jour, puis de production à une autre, de film à un autre, je vois que les Marocains commencent à s'identifier à leur propre culture, à leur propre pays. Et puis, surtout que les œuvres qu'on a aujourd'hui dans le programme, c'est des œuvres vraiment dont je suis vraiment, en tant qu'artiste, fière de ça. La Mandjurif, parce qu'on s'était rencontrés justement... Tout à fait, un très très bon film. Oui, au Festival du film Vue d'Afrique. Alors depuis, j'ai beaucoup avancé, évolué dans ma carrière, mais aussi dans mes études. Donc oui. Là, je suis presque en dernière année. Mais, quelle spécialité ? En études cinématographiques. Wow, oui. Wow. Donc bientôt derrière super. La caméra. Très bien, magnifique. Et puis sinon, depuis, donc, comme projet, j'ai pu jouer dans pas mal de films internationaux. Et l'un d'eux est aujourd'hui, donc il fait partie du Festival du film marocain. Oui. Donc ici, c'est Paris à tout prix. Oui. Quel rôle ? Je joue le rôle de Djalila. Ok. Oui, et donc c'est un film qui est à voir. Absolument. Parce que c'est une très belle comédie et ça se passe entre la France et le Maroc. Ah oui, oui. C'est une belle occasion pour moi de regarder des films marocains. Dernièrement, on ne peut plus les voir, sauf d'aller au Maroc et de les regarder au cinéma. Donc ils se font de plus en plus rares. Donc c'est une très belle initiative que je salue. Je vous salue d'ailleurs d'organiser cette deuxième édition du festival. Donc ça nous permet de voir ces films. Et j'ai vu que c'est une panoplie de films. Il y en a que j'ai déjà vu, d'autres que j'avais envie de voir. Et puis, c'est aussi une belle occasion de rencontrer des cinéphiles, des réalisateurs, des actrices. J'ai vu Madame Melouafi et puis d'autres. Donc, ça fait toujours plaisir. Oui, très bien. Et puis, le film lui-même que vous avez vu, donc Les Hommes Libres, qu'est-ce que vous avez retenu comme message ? C'est un très bon film, toujours sur le thème de la tolérance, la tolérance entre les religions. Et ça, j'en ai déjà vu d'autres films qui ont dans la même ligne, comme Où vas-tu Moshé et Adieu Mère. Donc on en sort fiers d'être musulmans. Le festival de films marocains à Montréal, ben, je le souhaite vraiment une belle carrière. Tout ce qu'il faut, c'est juste regrouper les gens, des gens qui sont compétents dans le comité d'organisation pour que vous puissiez aller plus loin, de mieux s'organiser. Puis, vous êtes encore au début, c'est normal. Parfois, il y a des petites choses, des lacunes. C'est normal, mais l'essentiel, il faut tenir bout. Il faut vraiment se rassembler. Puis... l'envie pour le festival. Alors je veux dire que c'est une idée très courageuse. La première des choses que je me suis dit, c'est qu'il y a quand même une offre très diversifiée cinématographiquement à Montréal. Et d'avoir le courage de proposer un événement spécifiquement marocain, ça prenait beaucoup de courage. Ensuite, quand je suis venue ce soir, il y avait quand même beaucoup de monde. Ce qui veut dire qu'il y a une demande, il y a un public, ce qui confirme que l'initiative est justifiée. En tant que réalisatrice, comment trouver un peu la programmation que promet donc ce festival? Ah, c'est une programmation de très haut niveau. Le film d'ouverture ce soir, qui était Les Hommes Libres, c'est un excellent film dont j'avais beaucoup entendu parler, que j'ai enfin eu le plaisir de voir. Donc c'est très bien. Plein de beaux messages. Et vraiment, oui, c'est un très beau film. Moi, je parle d'un point de vue esthétique en tant que réalisatrice. C'est pour ça que je cherche un peu votre point de vue. Et bien sûr, je pense que Ismaël Fellouri, déjà avec Le Grand Voyage, nous avait gâtés. Puis là, ça ne fait que confirmer. Les films Les Chevaux de Dieu de Nabil Ayouch, que je vais aller... Mort à vendre aussi. Mort à vendre, bien sûr, Fawzi Ben Saïdi. Enfin bref, ce qui veut dire qu'au Maroc, on a quand même un talent fou. Et je pense que c'est une très bonne idée de le proposer aux Québécois qui s'intéressent aussi de plus en plus à notre partie du monde. C'est la première fois que j'ai la chance d'assister à un des films du festival. Oui. Puis c'est sûr que je vais revenir.
Alors, en fait, je trouve que c'est vraiment une très belle initiative de réunir... Et quel regard vous pouvez porter, vous, en tant que comédien, sur un cinéma comme le cinéma marocain? En fait, le cinéma marocain, je trouve que c'est vraiment intéressant de voir qu'à travers les films, on peut quand même réunir les communautés. Puis de voir les talents comme ça, c'est vraiment... en fait, pour moi, ce serait vraiment une chance de pouvoir peut-être un jour participer à un de ces films-là qui ce sont des projets formidables. Surtout que ça a permis, hein, ce rassemblement-là ce soir, ça vous a permis de rencontrer des comédiennes marocaines qui sont... Oui, en plus, c'est vraiment une chance de plus que j'ai eue ce soir que de rencontrer des comédiennes marocaines. Donc, un tel festival ne peut être qu'un enrichissement pour la culture et la mosaïque culturelle montréalaise, finalement. Tout à fait, exactement. Donc, Adil, je ne sais pas si vous avez vu, hein, c'est une belle pliade d'artistes donc, qui enrichissent un peu la communauté artistique d'origine marocaine ici à Montréal. Oui, tout à fait. En tout cas, je dois vous avouer que ça m'a fait énormément plaisir de les voir, et surtout à l'ouverture où il y avait tellement d'affluence. Et surtout, ce qui me réjouit, c'est si ça peut être un repère pour les réalisateurs d'ici ou bien les comédiens et les comédiens, ça ne me fera que plaisir si c'est un repère. Et de ça aussi par la suite aussi, c'est de développer un volet de projection pour les artistes ou les réalisateurs locaux. Donc ça ne peut être que bénéfique pour le festival et j'espère aussi pour eux. Tout à fait. Et puis Adil Hasni, là, pour terminer, quel bilan vous faites de cette deuxième édition du film, du festival du film marocain à Montréal? D'abord, il y a une grande satisfaction. Mmh. Et ça ne peut. Et de voir l'affluence du public, il y a une forte demande, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure. Et la demande est là, et il faut juste encore, nous structurer nous-mêmes aussi, aller de l'avant et préparer des éditions, j'espère qu'elles seront aussi prometteuses. Et je pense aussi que le public va être encore plus présent dans les éditions futures. Moi, je pense que le public, le secret, c'est ça. Le public, on voulait proposer quelque chose qui le respecte. Oui. Il est là, il répond présent. Et ça, c'est vraiment la preuve comme quoi le public marocain, les Montréalais d'origine marocaine, ils répondent présents lorsqu'il s'agit de quelque chose qui prend leur goût en considération. Et puis, j'aimerais personnellement lancer un appel parce que on sait comment ça se passe, n'importe quelle initiative, sans la participation des partenaires, rien ne peut se faire. Alors, et aussi mettre l'accent aussi sur tous les bénévoles que je remercie infiniment. Et puis exactement, les bénévoles ont joué un rôle important. Exactement. Oui. Et pour revenir aux partenaires, évidemment, il y a beaucoup de partenaires qui ont répondu présent, mais beaucoup d'autres ne se sont pas manifestés parce que pour plusieurs raisons. Mais l'appel est lancé à partir de maintenant. C'est une très très bonne visibilité pour vos produits. C'est une manière d'encourager, parce que là, on n'est pas dans un ordre commercial, on est dans un ordre vraiment qui représente notre pays d'origine. Et il ne faut pas entrer dans des petites considérations matérielles. Au contraire, il faut contribuer avec ce qu'on peut. Et plus on peut contribuer, mieux c'est pour donc la pérennité de ce beau festival qui a prouvé, rien qu'à la deuxième édition, qu'il est capable de faire rayonner le cinéma et la culture marocaine ici en Amérique du Nord, bien sûr à Montréal et à Québec et au Canada. Si on se permet de rêver un petit peu, on voudrait bien le voir comme 10e édition. Ça va être vraiment un bon, on le souhaite. À ce rythme-là, aux 2e édition, il y aura, je crois, comme un tapis rouge avec les stars qui défilent et tout ça. Tout est permis. Absolument, pourquoi pas, absolument, oui. Absolument. Oui. Alors, pour se quitter en beauté, Adil, on propose à nos web spectateurs une série de photos donc qui ont immortalisé cette deuxième édition du Festival du film marocain. Et je vous remercie aussi pour l'invitation. Ça me fait plaisir, Adil Hosni. Merci aussi pour votre initiative. Je vous souhaite beaucoup, beaucoup de succès. Comptez sur MTL et le groupe Raison de Plus pour vous soutenir dans les éditions prochaines. Merci. Sur ce, mesdames et messieurs, je vous remercie de votre attention. Je vous donne rendez-vous à la prochaine édition de votre magazine culturel C'est Montréal, toujours sur votre chaîne web MTL de Montréal.